Tu la vois, sur le quai. À peine as-tu entamé la descente des escaliers, que tu la vois sur le quai vide. Elle est assise et feuillette distraitement les pages d'un Voici, ou d'un Grazia, un truc comme ça. Vu la taille, le format, les images, ce que tu te dis. Elle ne te voit pas, ne t'a pas vu, pas encore. Vous ne vous êtes jamais parlé vraiment. Des regards, un bonjour, le petit mot sur ton ventre, lancé de son balcon pour te demander de jouer encore. Elle va te voir, il n'y a que vous. Même sur le quai d'en face, il n'y a personne. Pas le choix, le destin, l'occasion, le hasard, c'est à toi de jouer. Tu ralentis le pas, la descente, le moment où tu te retrouveras à la même altitude, inévitable. Il ne faut pas réfléchir. Réfléchir te ferait remonter, repartir, attendre à l'extérieur, pencher au bord du pont, au-dessus des rails, attendre que le train passe et l'embarque. Que va-t-elle faire en ville? Un rendez-vous secret? Il est rare qu'elle soit seule. Tu l'as déjà croisée plusieurs fois dans la rue, mais trop de monde autour, trop de risques, et aucune raison de l'aborder. L'inévitable est là, maintenant, aujourd'hui, à cet instant. Il faut le prendre, l'embrasser, y foncer sans réfléchir. Tu verras bien le moment venu. Improvisera selon les circonstances. Ou bien rien, tu ne pourras dire un mot et resteras planté là, figé, paralysé. Tu verras bien. Garde tes questions pour elle. Ne t'en pose pas à toi. Tu as ralenti. T'efforces de ne faire aucun bruit, mais ton souffle même te semble assourdissant. Cependant, tu avances. Tu avances vers elle qui ne t'a pas encore vu, ou bien qui fait semblant. Va savoir. Ça y est, elle t'a vu, te regarde approcher. Un coin de ses lèvres est un peu remonté, l'amorce d'un sourire. Tu t'efforces de grimacer quelque chose de ressemblant, de similaire. Tu continues à t'approcher. Elle t'attend. Il n'y a que vous. Vous et l'inévitable. Thank you.
c'est elle qui a les blancs. Bonjour. Bonjour. Là, il faut enchaîner. Poser une question. Relancer. Transformer ce mimétisme en véritable échange. Fabriquer de la conversation. L'idéal serait de la faire rire, mais il est trop tôt encore. La peur te tiraille le ventre, le contracte. Moins que le rire, cependant, différemment. Beaucoup de choses peuvent contracter un ventre. On peut même le contracter volontairement, sans cause particulière, juste pour le muscler. Le moment n'est pas à lui proposer une séance abdominale, là, sur ce quai de RER. Demander si elle va à Paris. Où veux-tu qu'elle aille? La prochaine station est déjà dans Paris. Ce qu'elle va y faire, cela ne te regarde pas. Cela n'est pas censé te regarder. Ne réfléchis pas. Fonce. Tu vas bien? Tu aurais pu la vouvoyer comme une adulte, comme une femme. Mais la distance est longue déjà, les obstacles nombreux, inutile d'en rajouter. Ça peut aller. Et vous? Tu peux me tutoyer, tu sais. J'ai du mal avec les adultes. La distance est là, posée. Elle la ressent bien plus que tu ne la ressentiras jamais. Pauvre attardé qui refuse de grandir. Vieillir, oui, tu le vois bien, le sens bien. Mais grandir.
Peut-être t'a-t-elle perçu un peu vexée, rejetée, même si tu t'efforces de n'en rien laisser paraître. Que répondre à ça? Un « moi aussi » te vient à l'esprit. Mais elle décide de garder la main avant que ce trop ne t'échappe. Vous allez à Paris? Oui, j'ai des cours à donner. Enfin, pas tout de suite, je comptais me promener un peu avant. Tes cours de piano? Oui, dans une école de musique près du Luxembourg. Et toi? Je dois retrouver un ami. Ah. Le destin, l'inévitable. Mon cul. N'approfondis pas, dévie, passe à autre chose. Autre chose, vite. Mais rien ne vient. Tu restes bloqué sur ton A, et ton esprit débile commence à se ressasser le reste de l'alphabet. Le train arrive, elle se lève, tu la suis. C'est un milieu d'après-midi, il n'y a pas grand monde dans le wagon. Elle s'assoit et toi aussi, en face d'elle. Elle te sourit là. Elle te sourit franchement. Tu sais que cela ne signifie rien, mais quand même. Au moins cela t'incite à lui sourire aussi. D'autant qu'il y a des choses dans son sourire. Dans vos sourires. Il ne signifie rien mais sont la résultante d'un passé déjà. D'un passé commun. De gestes accomplis. De regards échangés. Tu as déjà joué pour elle. Et tu sais qu'il lui arrive de parler de toi au sein de sa grappe d'amis. Pas qu'elle, pas que de toi, mais cela est arrivé. Tu les as entendus.